Donc c'était une bonne idée de commencer cette nouvelle série de conférences par les trous noirs et les micro-quasars. Donc cette conférence va nous être donnée ce soir par Félix Mirabel, qui travaille au CEA à Saclay. Je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent bien, car il est déjà venu il y a 2-3 ans, 3 ans peut-être, nous parler d'un sujet très voisin. Je crois que le titre était presque le même, pas tout à fait. Et c'est intéressant de voir comment les choses évoluent en quelques années, en 3 ans. Il y a eu beaucoup de choses nouvelles et beaucoup de choses palpitantes. En tout cas, le thème des trous noirs est toujours un thème qui intéresse non seulement le public que vous êtes, mais aussi les astrophysiciens, et bien sûr les micro-quasars, parce que les quasars, nous savons aussi que ce sont des objets extrêmement intéressants, très lumineux, très lointains, mais que s'agit-il dès lors que l'on parle de micro-quasars? Il y a là un paradoxe entre quelque chose qui est petit et l'idée de quasar qui, au contraire, est très lumineux. Bon, je vais m'arrêter là, parce que ce n'est pas à moi d'en parler, c'est à Félix. Juste pour vous rappeler que les conférences ont lieu les premiers mardis de chaque mois, avec une exception ce mois-ci, bien sûr, à cause de la rentrée, mais on recommence en principe ce rythme régulier. Et donc la prochaine conférence aura lieu le mardi 7 octobre, vous l'avez été affiché dans le couloir, et aura pour titre « L'univers a-t-il toujours été en expansion ?» Voilà un titre aussi qui suscite des interrogations. Donc, c'est Patrick Peter qui travaille à l'Institut d'astrophysique et qui était déjà, je crois, venu l'année dernière nous parler de, je ne sais plus de quoi. Tu te souviens? Je crois que c'était j'ai le mot, ça reviendra. Voilà, donc ce sera le sujet. Ensuite, on aura un ou deux sujets aussi de cosmologie. Et puis, bon, il y aura d'autres sujets très intéressants l'année prochaine aussi, en particulier d'autres thèmes, en particulier l'histoire des sciences. Monsieur William Tobin viendra nous parler de Foucault, qui est une personnalité intéressante. Il y a eu une exposition il y a quelques mois, et donc il viendra nous parler de l'œuvre de Foucault. Voilà, donc vous aurez, au fur et à mesure que nous préparons ce programme, vous pourrez le consulter sur le site de l'IAP. Je pense que soit sur le site de l'IAP pour savoir un petit peu la programmation un petit peu longtemps à l'avance, soit en consultant, comme vous le faites presque tous, j'imagine, Ciel et Espace, où toutes ces conférences sont annoncées. Alors, pour mémoire, quand même, le site de l'IAP, vous cliquez là-dessus, vous trouvez sur la page d'accueil une petite boîte conférences publiques et vous aurez tous les renseignements que vous recherchez. Voilà. Donc je m'arrête. Une question? Oui, la conférence qui a dû être annulée, d'ailleurs, c'est vrai que je ne vous ai pas revu depuis, donc veuillez nous en excuser. Nous avons eu, il y avait des perturbations donc, sociales à ce moment-là, il y avait des grèves et c'était assez compliqué de venir. On a pensé de bonne foi que presque personne ne pourrait regagner l'IAP ce jour-là. En fait, il y a eu une vingtaine de personnes, je crois, qui se sont présentées à la porte. Nous sommes désolés pour eux, nous nous en excusons. Il y avait aussi, Michel Cassé avait également une impossibilité pour raison personnelle, je crois que pour raison familiale, donc il a été effectivement empêché de venir. On a essayé, dans un premier temps, de trouver un remplaçant, mais lui-même avait des difficultés, il n'était pas sûr de pouvoir venir à cause de ces perturbations. Donc on a finalement décidé d'annuler, avec toutes nos excuses, évidemment, pour la gêne que cela a occasionné. En tout cas, Michel Cassé est prêt à venir. Donc je pense qu'il sera programmé soit en février, soit en mars 2004. Voilà. Merci. Félix, c'est okay, à toi. Bon, merci beaucoup. Bon, bonsoir. Je devrais avant tout m'excuser parce que la seule transparence en français, c'est celle-là. Mais le reste sont en anglais parce que je suis lettré en français. J'ai commis beaucoup de fautes de frappe, et grammaire. Mais si il y a des questions au fur et à mesure que j'avance, s'il vous plaît, vous pouvez m'arrêter pour que j'explique des aspects sans problème. Alors, ça, c'est un sujet.
les trous noirs et en particulier les micro-quasars qui, en ce moment, n'intéressent pas seulement aux astronomes, aussi aux physiciens, parce qu'ils sont des laboratoires idéaux pour tester la physique dans des conditions extrêmes. Et par exemple, le sujet des micro-quasars, bon, ça c'est un domaine qui a été ouvert à niveau international pour l'activité que nous avons fait ici en France en utilisant instruments européens et américains. Alors, je voudrais commencer pour vous rappeler que l'idée des trous noirs, ce n'est pas une idée qui a émergé récemment, c'est une idée que dans le contexte de la physique classique et de la théorie corpusculaire de la lumière, l'idée des trous noirs a émergé déjà dans l'année, dans le siècle XVIII. Il était publié dans les Philosophical Transactions of the Royal Society. L'idée de que pourrait exister ou devrait exister des objets duquel la lumière ne peut pas arriver à nous. Et aussi, ce penseur anglais a proposé à cette époque déjà comment on pourrait repérer les trous noirs dans l'univers. Et il a proposé qu'on pourrait les détecter par le mouvement des objets qui tournent autour d'un endroit duquel la lumière ne parvient pas à sortir. Et Pierre-Simon Laplace aussi, dans l'année 4e de la République française aussi, a proposé l'idée des trous noirs, mais pas seulement l'idée des trous noirs comme des étoiles, des trous noirs avec des masses des étoiles, mais aussi l'idée des étoiles, des trous noirs supermassifs. Alors, dans le contexte de la physique classique, ça a été une idée très simple. Si on peut faire les calculs en utilisant la physique de Newton, il pourrait y avoir des objets desquels la lumière ne peut pas sortir si on considère que la lumière sont des particules. Et comme on jette une pierre, les pierres retombent. Si la lumière consiste en corpuscules, en particules, cette idée, ça a été un calcul qu'on pouvait faire bien avant de la théorie de la relativité. Bon, cette idée est tombée dans l'oubli pour à peu près 2 siècles parce que la conception de la lumière comme propagation des ondes a dominé et dans ce cas, il n'y avait pas une raison pour faire retomber les ondes. S'il s'agit d'une perturbation des ondes. Et cette idée est restée dans l'oubli jusqu'à l'émergence de la conception de la gravitation comme une courbature de l'espace-temps. Et si l'espace, c'est-à-dire si un objet avec du masse courbe l'espace autour de lui, il pourrait faire retomber la lumière, soit la lumière des corpuscules ou des ondes, parce que les ondes aussi se courbent sous leur propagation. Alors, c'est dans le contexte de la théorie de la relativité générale, comme une prédiction de la théorie de la relativité générale, et en particulier de la théorie relativiste de la gravitation, que va à réémerger cette idée des trous noirs que Einstein, bien que ça ait été une conséquence de sa théorie, a toujours refusé. On pense que dû à des préjuges épistémologiques. Mais lui, jamais avait accepté l'idée d'une singularité, c'est-à-dire d'une solution mathématique où la densité d'un objet pourrait être infinie dans un point. Alors, comment on détecte les trous noirs dans l'univers? Bon, les trous noirs des masses stellaires, qui ont des masses de quelques masses solaires,
on les détecte, hein, comme avait prédit Mitchell dans l'année, dans le 18e siècle, par l'étude des systèmes binaires, c'est-à-dire quand le trou noir est accompagné d'une étoile, hein, et on les repère dans le ciel, parce qu'il y a beaucoup de systèmes binaires, hein, la moitié des étoiles sont des systèmes binaires, hein, ou multiples. Hein, on les repère par l'émission de radiation X, hein, et ça a été une des raisons pour accorder le prix Nobel de physique, hein, cette année à Giacconi, hein, pour avoir initié l'astronomie X, hein, c'est-à-dire l'astronomie, le repère du ciel dans la longueur de onde des X, et pour la découverte, hein, des premiers objets compacts comme les trous noirs. Hein. Alors, en ce moment, bon, on pense que tous les objets compacts, c'est-à-dire les objets qui émettent plus de lumière, hein, dû à des phénomènes de thermonucléaires, qui ont des masses plus grandes que 3 masses solaires, on pense que sont des trous noirs, hein, parce qu'il n'y a pas dans la physique, hein, une théorie qui puisse expliquer un objet, hein, condensé, hein, qui ne produit plus de lumière, qui aille une masse plus grande que 3 masses solaires. Alors, en ce moment, on connaît à peu près 40 trous noirs de masse stellaire dans notre galaxie. Il y a une quarantaine. Et on pense que si les étoiles les plus massives deviennent, hein, collapsent dans un trou noir à la fin de leur vie, il devrait y avoir à peu près 300 millions de trous noirs dans notre galaxie. Alors, si on prend 300 millions de trous noirs avec des masses de 10 masses solaires, ça représente à peu près 5% de la masse qu'on appelle baryonique, de la masse dans notre galaxie qui est composée par la matière qu'on connaît. Et cette masse est supérieure par un facteur de à peu près 1000 comparé par comparaison avec les trous noirs que je vais vous expliquer, supermassifs dans le centre de notre galaxie. Alors, cette idée de la place, de que les objets les plus massifs dans l'univers pourraient être des trous noirs, a été confirmée par des observations diverses, par exemple en utilisant le Hubble Space Telescope, hein, en étudiant la cinématique du gaz autour de la région centrale des galaxies massives proches, hein, par la dynamique, on ne voit pas bien ça parce qu'il y a trop de lumière, mais bon, par la dynamique du gaz, on peut inférer qu'il y a un objet ultramassif, hein, avec une masse de à peu près 100 millions de masses solaires au centre de la galaxie la plus massive de la main de la Vierge. Aussi, par l'étude de la cinématique des gaz moléculaires, hein, aussi on a repéré, hein, l'existence d'un objet compact avec une masse équivalent à 10 millions de masses solaires dans une galaxie qu'on appelle, c'est la galaxie numéro 4258 dans le New General Catalog. Hein, on l'appelle comme ça. Alors, la question qu'on peut se poser, bon, en général, maintenant, ça, pendant les 10 dernières années, existe maintenant le consensus de que toutes les galaxies massives ont dans leur centre un trou noir supermassif. Et il existe une corrélation, hein, entre la masse du trou noir central dans les galaxies et la masse du bulbe d'étoile centrale. Hein, existe une corrélation
qui a été bien établi maintenant depuis les dernières années. Alors, une des questions qu'on se pose dans l'astronomie en ce moment, et c'est une des questions courantes en ce moment, c'est comment ce trou noir supermassif se forme. Et je dois vous faire la confession qu'on ne sait pas. C'est très difficile à savoir. On sait maintenant qu'ils existent, qu'ils sont là, mais on ne sait pas si on était ce trou noir la conséquence d'évolution des galaxies ou si ça a été le seed. Quelle est la semelle quand vous plantez quelque chose? Oui, pour la formation des galaxies. On ne sait pas encore, et il y a différentes théories, et les astronomes, les théoriciens se battent sur ce problème. L'autre problème très courant en ce moment, c'est celui si, à part les trous noirs qu'on a repérés dans le ciel, qui sont le résultat de l'évolution d'étoiles massives, un trou noir de 10 masses solaires, disons, et les trous noirs supermassifs, qui ont des masses plus grandes qu'un million de masses solaires, est-ce qu'il y a des trous noirs de masse intermédiaire, c'est-à-dire des trous noirs avec 1000 masses solaires Et ça, c'est une question très courante en ce moment. Et il y a un grand débat, et je crois que dans ces années, les prochaines années, les prochaines 2 ou 3 ans, on va pouvoir contraster observationnellement cette question. Alors, on peut se demander si toutes les galaxies massives ont dans leur centre un trou noir supermassif, est-ce que notre galaxie a un trou noir supermassif au centre? Et c'est le produit d'un travail avec le télescope de l'Observatoire européen du Sud qui a été trouvé l'évidence de l'existence de ce trou noir supermassif par les observations faites depuis l'année 92, pendant 10 ans, par un groupe de collaboration, des collaborateurs allemands et français. Et aussi, il y a eu des travaux des Américains, mais cette fois-ci, le groupe de chercheurs européens sont arrivés avant. Les Américains sont arrivés un petit peu après, quelques mois après. Alors, comment on peut savoir qu'il y a un trou noir supermassif? Vous voyez ici les étoiles, les centres galactiques, on ne peut pas voir la partie centrale de la galaxie avec des rayonnements optiques parce qu'il y a tellement de poussière que le centre de notre galaxie est caché pour les télescopes optiques. Alors, ce que ce groupe a utilisé, c'est le rayonnement en infrarouge, que c'est en longueur d'onde plus large, qui est moins absorbé. Et ils ont repéré l'existence d'étoiles massives, des étoiles qui ont des masses entre 20 et 100 fois la masse du Soleil, qui sont indiquées ici. Et pendant 10 ans, on repérait le mouvement de ces étoiles dans la région centrale pour voir s'il y avait une masse là qu'on ne voit pas, parce qu'il n'aimait pas, mais qu'on peut repérer par les effets gravitationnels qui produisent dans les étoiles. Et vous voyez ici, ça c'est une animation, au fur et à mesure que les ans passent, de comment bougent les étoiles autour. Vous voyez le mouvement en 92, 13, 14, 15, et maintenant vient en zoom. Et vous voyez les étoiles, comment elles se sont déplacées, si vous voulez voir de nouveau. Alors, il y a ces étoiles orbitent autour d'un point où il n'y a pas de lumière émise et que produit, attire et change
la direction de mouvement de ces étoiles. Et on peut calculer, en utilisant la physique classique, quelle devrait être la masse qui est dedans, dans ces points, et qui n'émet pas de lumière. Et ça devrait être un objet très compact qui a une masse de 4 fois 4 millions de masses solaires. C'est-à-dire que dans notre galaxie, maintenant, ça c'est un consensus entre les astronomes, on a trouvé finalement des évidences très claires. Et ce sont des données, cette animation n'est pas une chose purement artistique. Tout ça, c'est basé sur des observations. On a trouvé l'évidence de ces trous noirs. Alors, un des problèmes, c'est comment ces étoiles qui ont beau bouger peuvent s'avoir formées aussi près d'une masse tellement grande et concentrée qui aurait déchiré n'importe quelle étoile qui se forme. Et ça, c'est une question ouverte. Et alors, si vous me demandez comment, je dois vous dire, on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de discussions. Alors, une des questions, quand on soupçonnait déjà l'existence de trous noirs supermassifs, c'est si ces trous noirs supermassifs pourraient être la source des antimatières qu'on observe dans le centre de notre galaxie. Depuis plusieurs années, on observe une signature de l'existence des antimatières. Pour antimatière, je veux dire des anti-électrons, c'est-à-dire des électrons, mais qui ont des masses positives. Des charges négatives, ils ont la même masse qu'un électron, mais ont une charge positive. À ce type de particules, on l'appelle positron, parce que c'est positif, la charge électrique. Alors, ce sont comme des particules images des électrons. Et quand un électron et un anti-électron ou positron se rencontrent, s'annihilent et produit une émission très caractéristique, que c'est une émission à très haute énergie. Et cette émission, on l'appelle la signature d'annihilation des positrons avec des électrons qu'on a détectés dans les régions du centre galactique depuis plus de 20 ans. Une des questions qui s'est posée au début des années 90, ça a été si ces trous noirs, qu'en ce moment on soupçonnait qu'ils pouvaient être là, mais on n'était pas sûr, si ces trous noirs pourraient être la source de ces raies d'annihilation. Et pour cette but a été lancé dans l'année 90 un satellite qui a repéré pour essayer de repérer cette émission d'annihilation d'électrons et positrons du centre galactique. Et les résultats après 7 ans d'observation depuis 90 jusqu'à 97, est-ce que si bien pouvait avoir un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, ce trou noir est resté dans un état de silence sépulcral pendant 7 ans. Et on n'a pas repéré d'émission de haute énergie due à cette annihilation des matières antimatières qui pourraient provenir de ce trou noir. Et par contre, on a trouvé deux sources persistantes de haute énergie qui se ressemblent à trous noirs de masse stellaire. Alors, en ce moment, maintenant, il y a un autre satellite qui vient d'être lancé en octobre et il commence à faire un travail, mais plus fin, dans la même direction, et c'est un satellite qu'on appelle Integral. C'est un satellite de l'Agence européenne, a été lancé en octobre 2002, et il a commencé à repérer, à observer le centre de notre galaxie, aussi avec le but de trouver
des soupçons hein, de ce trou noir supermassif qu'on sait qu'il existe dans cette région. Et ici, vous voyez une image, hein, ça correspond à peu près 2 degrés par 2 degrés. Hein. À notre énergie, vous n'avez pas trop de finesse parce qu'il faut lancer des grands télescopes dans l'espace hein, qui ont une technologie très différente à celle de votre télescope optique. Par exemple, à notre énergie, vous ne pouvez pas utiliser un miroir pour refléter la lumière vers un focus. Simplement parce que la longueur d'onde de cette haute énergie est tellement petite hein, qu'il traverse hein, les atomes hein, de votre miroir. Alors vous ne pouvez pas refléter. Et vous devez utiliser des techniques hein, qu'au COA on a développé, hein, qui sont des techniques qu'on appelle des masques codés, hein, pour pouvoir repérer ces sources d'autres énergies dans le ciel. Hein. On ne peut pas utiliser le miroir hein, comme s'utilise dans des autres domaines. Et c'est pour ça que bon, l'image est tellement laide, hein, n'est pas très jolie. Vous voyez, ça c'est 2 degrés par 2 degrés. Alors, Sagittarius A star, qui est le centre dynamique de notre galaxie, est indiqué par ce quoi. Bon, ben, ce n'est pas la source la plus forte. Hein. La source la plus forte est là. Hein. C'est un objet qu'on appelle de cette façon. Et on sait que c'est un trou noir de masse stellaire. Hein. On ne sait pas encore s'il a 20 ou 30 masses solaires. Mais c'est l'objet... Hein, le plus lumineux à notre énergie, hein, dans ces bandes d'énergie, dans la région du centre galactique. Alors, l'année 92, on a fait des observations de ces trous noirs de masse stellaire avec des radiotélescopes. Hein, et vous voyez ici une image en radio. Hein, et que se ressemble beaucoup hein, à la morphologie des quasars. Hein, et cet objet, hein, comme il se ressemblait tellement, on l'appelait dans cette année micro-quasar, c'est-à-dire un objet qui aussi c'est un trou noir comme le centre hein, d'émission des quasars, mais à des échelles beaucoup plus petites. Hein, en lieu d'avoir des masses de plusieurs millions de masses solaires, c'est cet objet, hein, le centre d'émission de cette émission, hein, c'est un objet hein, qui a une masse de seulement 10 masses solaires. Et on l'appelait micro-quasar. Hein, en ce moment, ce mot a un peu frappé la communauté, hein, mais comme il était annoncé dans la couverture de cette revue, Nature, il a provoqué beaucoup de discussions. Hein. Et l'idée de cette analogie entre les quasars et les micro-quasars est là. Les quasars sont des trous noirs supermassifs au centre des galaxies hein, qui accrètent de la matière et qui produisent des jets, hein, c'est-à-dire de faisceaux de particules hein, qui partent hein, de les alentours du trou noir et qui peut atteindre des distances de millions d'années-lumière. Hein, sont de sources très puissantes hein, des particules relativistes hein, qui sont éjectées. Dans le cas des micro-quasars, c'est la même chose, mais par contre, les trous noirs de masse stellaire accrète de la matière d'une étoile compagnon et produit des jets aussi, mais qui atteint des distances de quelques années-lumière. L'idée derrière cette analogie est que la physique est essentiellement la même, hein, mais que tous les phénomènes hein, sont à échelle, tous les phénomènes dans les échelles de distance et du temps sont proportionnels à la masse du trou noir, mais que la physique est la même. Hein.
n'importe que soit un trou noir supermassif, comme disait Laplace, hein, de millions de masses solaires, ou que soit un trou noir, hein, le cadavre d'une étoile évoluée, hein, qui a une masse de, disons, 10 masses solaires. Alors, cette analogie a été, deux ans après, confirmée par la découverte d'un phénomène que on avait déjà observé dans les quasars, que c'est le phénomène de mouvement apparent superluminique, c'est-à-dire de particules, hein, ou de nuages de plasma qui apparaît, hein, qui paraît se déplacer dans le ciel à des vitesses plus grandes que la vitesse de la lumière. Et ça, c'était un phénomène seulement observé jusqu'à l'année 94 dans les quasars, mais jamais dans un objet de masse stellaire. Alors, nous, on avait dit cette analogie est basée dans la physique. Alors, il devrait y avoir des phénomènes analogues aussi, comme celui des mouvements apparents superluminiques. Et ça a été confirmé, hein, par les observations avec cet instrument, hein, que c'est un instrument qui s'appelle Very Large Array. C'est dans la... dans l'État de Nouveau-Mexique aux États-Unis. On a utilisé cet instrument pour suivre, hein, les déplacements de ces nuages de plasma, hein, sur le plan du ciel. Et vous voyez ici, ça, ce n'est pas non plus une représentation artistique, ce sont des données. Hein. Vous voyez chaque, ici, la date d'observation sont des images successives. Ici, vous voyez un centre d'éjection, hein, qu'on ne voit pas ici, hein, c'est le trou noir avec l'étoile compagnon, et on voit des nuages de plasma qui partent, hein, d'un côté et d'autre. Comme on connaît la distance à ce centre d'éjection, hein, qui est à peu près 30 000 années-lumière, on peut inférer quelle est la vitesse apparente de ces nuages sur le plan du ciel, et il est 1.3 fois la vitesse de la lumière. Hein? C'est-à-dire, bon, c'est possible? Bon, on peut expliquer tout ça comme une illusion relativiste, un phénomène qu'on appelle des aberrations relativistes, sans que nécessairement le déplacement soit plus grand que la vitesse de la lumière. Et c'est presque la vitesse de la lumière, mais c'est moins, mais dû à une illusion relativiste, on mesure, hein, c'est un phénomène que je ne peux pas entrer en détail, mais c'est un phénomène qu'on appelle aberration relativiste. Hein. Si vous avez des jets qui... vont vers l'observateur qui font dans une direction qui s'approxime à la ligne de visée, vous pouvez avoir cette mesure sur le plan du ciel comme si l'objet s'est déplacé à vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Pardon ? C'est une vitesse de phase. Quand vous dites vitesse de phase, est-ce que vous pouvez vous expliquer pour le public? Non, c'est-à-dire que dès l'instant que disons, la mesure est une mesure apparente, on trouve ça par exemple dans les guides d'ondes, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce que vous guidez les ondes dans un guide, mm-hmm, dans certains cas, les évaluations géométriques que vous pouvez faire de la vitesse vous amènent à trouver des vitesses supérieures à la lumière. Mm-hmm. Oui, c'est une aberration. L'effet est que la matière qui produit, c'est-à-dire les nuages qui produisent la radiation, poursuit sa propre radiation presque à la même vitesse. Et ça produit pour l'observateur une sorte de contraction des échelles du temps. Et parce que le radiateur poursuit sa propre radiation. Et bon, les calculs montrent qu'on peut atteindre des vitesses apparentes superluminiques jusqu'à 20 fois, 30 fois la vitesse de la lumière.
Mais ça ne veut pas dire que les nuages qui émettent vraiment se déplacent à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Hein. Ce sont des mouvements apparents. Alors, bon, tout ça, il y a eu une grande synergie entre l'astronomie extragalactique depuis cette découverte et l'astronomie galactique des trous noirs. Et maintenant, je n'ai pas le temps d'aller et vous expliquer en détail, mais maintenant, il y a une synergie très forte. Il y a des phénomènes qui sont suscités autour du trou noir, qu'on peut mieux les comprendre dans le cas des quasars, et il y a des autres phénomènes qu'on peut mieux les comprendre dans ces micro-quasars qui sont à la portée de la main, c'est-à-dire qu'ils sont dans notre galaxie, et on peut les étudier en détail. Et en ce moment, il y a une grande synergie entre les deux domaines. Et comme nous intéresse plutôt la physique, dans ces cas, comprendre la physique, on peut utiliser dans certains cas les micro-quasars comme laboratoire, dans d'autres cas, les quasars. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut connaître et qu'est-ce qu'on peut saisir mieux. Alors, les micro-quasars, on peut dire, je vous ai dit au début que l'évidence de trous noirs, c'est quand on a un objet compact qui n'émet pas de lumière, qui a plus de 3 masses solaires, on a du mal en physique, si on respecte les lois acceptées de la physique quantique, on a du mal à comprendre que puisse avoir un objet qui ne soit pas un trou noir, qui aille une masse plus grande que 3 masses solaires et que n'émet pas des émissions thermonucléaires thermiques classiques. Alors, en utilisant des micro-quasars, on est arrivé maintenant à comprendre, à avoir des évidences additionnelles sur l'existence de trous noirs. Alors, un trou noir, c'est ce qu'on appellerait une singularité. Il a un horizon, mais il n'y a pas une surface solide dans le trou noir. Alors, imaginons qu'on a un trou noir dans le ciel, et vous regardez le ciel, et là, comme le trou noir, c'est un trou est noir, vous ne voyez rien, n'est-ce pas? Alors, imaginons qu'on jette une bombe, on a le trou noir là, et on jette une bombe vers le trou noir. Et cette bombe, comme il n'y a pas une surface solide, et comme la bombe va exploiter au-delà de l'horizon, il y a une explosion, mais pour un observateur extérieur, rien ne se passe. La bombe disparaît de façon silencieuse. Il n'y a rien. Ça, c'est l'évidence d'un trou noir. Ça, je vous explique l'expérience, comment on a fait. Alors, si on a un objet compact, que c'est aussi le cadavre d'une étoile, mais c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile où il n'y a pas plus d'atomes. Les électrons se marient avec les protons pour former la densité tellement grande. Mais c'est un objet qui a une surface, et vous jetez une bombe là, vous pouvez voir l'explosion. Imaginons qu'on a une étoile à neutrons, on jette la bombe. Cette bombe frappe la surface, il y a un certain temps de réaction et il y a une explosion que l'observateur extérieur peut voir. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'on pourrait faire une expérience comme ça en astrophysique? Et nous, on l'a fait. Et l'expérience consiste en voir, avoir l'évidence des matières qui tombent vers un objet qui a des masses et qui attire, mais cette matière disparaît de façon silencieuse. Et ça, ça c'est très, très détaillé, mais vous pouvez me croire, ce sont des observations qu'on a faites simultanées depuis un satellite. Depuis un télescope en Hawaï,
en infrarouge et avec un télescope, un radiotélescope, dans une heure. Et ce qui se passe, c'est que la matière, vous avez les trous noirs qui accrètent la matière dans la forme d'un disque d'accrétion, et tout d'un coup, la région intérieure du disque d'accrétion disparaît. Et on observe aucune explosion. C'est ça, bon, c'est que le diagramme nous dit, vous me croyez. Et on observe après la production des jets qu'on voit d'abord dans l'émission infrarouge et après en radio. Au fur et à mesure que le nuage de plasma relativiste se répand, on voit d'abord les longueurs d'onde les plus courtes et progressivement les plus longues parce qu'elles deviennent, au fur et à mesure que se répand, transparent pour différentes parties de spectre. Et on a vu ça, et c'était des observations simultanées avec un satellite, un télescope infrarouge à Hawaï et les radiotélescopes de VLA dans l'état de Nouveau-Mexique. Et ça a été difficile d'organiser, mais on est arrivé. Alors, ça, c'est une... Je dirais que ce qu'on a trouvé vraiment, c'est démontrer que Dieu n'existe pas. C'est très difficile. Mais je vous laisse ça pour réfléchir. Et c'est pour ça qu'on dit on n'a pas eu l'évidence d'une surface matérielle dans cet objet. Alors, le même phénomène d'accrétion-éjection a été observé dans un quasar par une équipe américaine. En fait, ça a été un papier publié l'année dernière dans Nature. Bon, ça montre un peu la corrélation entre ce qui se passe dans les disques d'accrétion autour du trou noir, mais dans ce cas, c'est un trou noir supermassif, et l'éjection des matières. Mais vous voyez ici, ils ont eu besoin d'à peu près 4 ans pour observer ça. Tandis que nous, dans un trou noir de masse stellaire, de seulement 10 masses solaires, il nous a fallu seulement une heure pour voir la même physique. C'est-à-dire que... Oui. Il était à quelle distance, le trou noir ? Celui-là. Et bon, c'est à quelques mégaparsecs. C'est un des quasars, peut-être c'est le quasar le plus proche, non? 3C120. Ça doit être, bon, des mégaparsecs, je ne me rappelle exactement. Mais l'idée essentielle est que on trouve ici la même phénoménologie, la même physique, mais dans des échelles de temps qui sont proportionnelles à la masse du trou noir. Dans le cas d'un trou noir de 10 masses solaires, on peut observer ça dans une heure. Dans un trou noir de 10 millions de masses solaires, on a besoin de 4 ans. Oui. Il est où votre quasar ? Ah, c'est là. Ça, ce sont des observations. Et le rouge, ici, le rouge, c'est là. Le rouge, c'est une représentation de qu'est-ce qui se passe en radiation X, que c'est ça, qu'est-ce qui se passe avec les disques d'accrétion, comment ils perdent la matière et cette matière part sous la forme des jets. Ce sont des jets repérés en radio-onde, c'est-à-dire si on a des particules qui se déplacent à presque la vitesse de la lumière et qui interagissent avec un champ magnétique, ils produisent des radiations. C'est un type de radiation qu'on appelle de radiation synchrotron, les particules spirales autour de champs magnétiques. Pardon ? Pas ici, non. Non, non. Non, ça c'est dans une seule direction. En général, on les voit dans les quasars dans une seule direction parce qu'ils sont tellement distants. Bon, il y a des effets de ce qu'on appelle de boosting, ça c'est un anglicisme, n'est-ce pas? Boosting. Non? Ça n'existe pas en français. Non. Focalisation, oui. On a besoin de la focalisation et de la,
de l'augmentation de la lumière due à des effets relativistes pour pouvoir repérer ces jets dans les quasars très distants. Tandis que dans notre galaxie, on peut les repérer bien si les jets vont dans des directions très différentes. Alors, bon, ce sont des sources. Il y a un grand intérêt sur les microquasars pour les physiciens, pas seulement pour les effets de relativité, pour tester la physique relativiste, mais aussi pour tester la physique de très haute énergie. Parce qu'on pense que dans les alentours des trous noirs, se produisent des phénomènes que, évidemment, on ne peut pas reproduire dans les laboratoires terrestres. Et sont de très bons laboratoires pour tester les théories physiques dans les conditions les plus extrêmes. Bon, ça c'est, peut-être je devrais avancer. Récemment, en fait l'année dernière, un jeune chercheur de l'Université de Paris, Stéphane Corbel, qui travaille à Saclay, il a fait sa thèse à Saclay, il a découvert ces jets, mais dans le rayonnement X. Et vous voyez ici, ce sont des images en X. Et il y a 4 ans, il y a eu un sursaut. On ne voit rien. Et 2 ans après, dans l'année 2000, on a vu un nuage qui se déplace. Qu'elle arrive jusqu'à un point, elle s'arrête, apparemment elle interagit avec le milieu interstellaire. Et en 2002, il a repéré de l'autre côté des jets. C'est-à-dire qu'il y a eu des particules relativistes qui se sont déplacées, qu'ils n'ont pas émis jusqu'à ce qu'ils l'ont frappé une sorte de mur. Qui l'ont interagi avec le milieu environnement. Ça, c'est, maintenant, on pense que ce type de sources sont aussi des sources de particules de haute énergie qu'on appelle des rayonnements cosmiques. Et ça intéresse aussi aux physiciens. Ce sont des phénomènes qui les intéressent beaucoup. Alors, on pourrait se demander, est-ce qu'on peut repérer des trous noirs, des semi-croquasars dans des galaxies proches. Jusqu'au présent, je vous ai dit, on connaît à peu près 40 trous noirs. Il devrait y avoir au moins 100 millions, quelques 300 millions de trous noirs dans notre galaxie, de masse stellaire. On a repéré seulement 40. Et la raison est que, au moins qu'ils accrètent de la matière, on ne s'y aperçoit pas. Qu'ils sont là. Et on se demande maintenant, est-ce qu'on pourrait repérer ces trous noirs de masse stellaire dans les galaxies proches? Et maintenant, on commence à les repérer. Et vous voyez ici, ce sont des images, l'image avec le Space Telescope, les antennes. Ce sont deux galaxies spirales qui sont entrées en collision. Et vous voyez, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que dans le rayonnement X a repéré un télescope spatial pour le rayonnement X qui s'appelle Chandra, en honneur de Chandra Sekhar, prix Nobel de physique. Dans ces régions, et quand on regarde, on voit, ça c'est une image maintenant de ces parties centrales, mais en rayonnement X, et on voit une émission diffuse, mais beaucoup de sources compactes, qui ne sont pas résolues, et qui on pense que sont précisément de micro-quasars, ou des trous noirs, des masses stellaires qui accrètent la matière, et que on repère dans ce type de galaxies. Alors, jusqu'à l'année 92, dans l'année 92, on avait proposé
l'analogie entre les quasars et les microquasars. Et maintenant, on propose une analogie aussi avec les sources les plus puissantes d'énergie, hein, qui sont ce qu'on appelle en anglais les gamma ray bursts ou les sources gamma, hein, qui sont très très lumineux et sont très très puissants. On détecte un par jour et on pense que ces événements sont produits quand des étoiles massives collapsent, hein, au moment du collapse vers un trou noir, hein, quand les étoiles les plus massives, des étoiles de plus de 30 masses solaires, épuisent leur combustible nucléaire dans la partie centrale, qui est ce qui soutient les poids, hein, de l'étoile, quand combustible nucléaire s'épuise, et ces étoiles très massives collapsent, hein, sans arrêt vers un abysme. Hein, et ça, c'est le trou noir. Et quand ça se produit, hein, on pense que c'est au moment que se produit des jets relativistes, hein, qui sont pointés vers l'observateur. Et on peut voir, hein, des sursauts gamma, hein, des sursauts gamma très, très puissants. On pense que maintenant, on avance, hein, dans la direction de cette analogie, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un mécanisme universel, hein, pour la production des jets, hein, dans l'univers, un même mécanisme physique avec des différentes conditions, hein, initiales. Bon, il y a beaucoup de tests de relativité générale, je ne vais pas aller à ça, mais un des sujets sur lesquels bon, en particulier notre groupe, hein, et moi-même, je m'intéresse le plus en ce moment, c'est adresser la question de comment les trous noirs des masses stellaires sont formés. Hein, ça, on ne le sait pas. Une des façons de connaître ça, c'est, bon, ici, vous voyez le schéma de la formation d'un trou noir dans un système binaire, c'est-à-dire sont les trous noirs qu'on peut observer parce qu'il y a crête. Vous avez deux étoiles massives, hein, qui, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez voir bien, il y a assez de contraste. Il y a deux étoiles massives, hein, qui évoluent. Hein. Une des étoiles se répand, hein, de telle façon que les deux étoiles massives restent dans une enveloppe commune, hein, et à un certain moment, cette enveloppe est éjectée par des phénomènes par l'énergie orbitale, hein, qui est déposée dans l'enveloppe, et finalement, un des deux étoiles va exploser, hein, comme une supernova. Et si vous avez un système, hein, double, hein, et vous produisez l'éjection de matière d'un des composants, vous allez donner au système, hein, un moment, hein, vous allez un peu faire plus elliptique l'orbite, mais tout le système va gagner, hein, une impulsion. Hein. C'est-à-dire qu'on peut savoir si par le mouvement de trous noirs, si on était formé par des explosions de supernovas, à travers des explosions de supernovas ou non, hein, par en étudiant la façon dans laquelle ils se déplacent, hein, dans le ciel. S'ils ont des déplacements anormaux, si on les voit partir de leur berceau d'étoiles et à de grandes vitesses, on pourrait dire, bon, il y a eu une explosion. Et c'est par cette explosion, c'est-à-dire cette perte de matière soudaine, hein, que le système binaire gagne, hein, une impulsion et il est éjecté. Et la question est si les trous noirs sont tous ou non formés de cette façon. Et en général, si vous prenez ciel-espace, toujours les trous noirs sont formés à travers des explosions. Hein. C'est-à-dire des étoiles très massives qui explosent et à la fin se forme un trou noir.
Alors, bon, ça c'est la méthodologie qu'on a utilisée. Mais basiquement, ce qu'on a trouvé, c'est, ici vous voyez le résultat de la première recherche qu'on a fait. Là, on voit, vous voyez l'orbite galactique d'un trou noir qui est représenté par cet objet ici bleu, et du Soleil, le mouvement des soleils et des trous noirs binaires autour du centre de notre galaxie pour une période de 250 millions d'années. C'est-à-dire que le Soleil tourne autour du centre galactique, fait une révolution complète dans 250 millions d'années. Alors, comment se déplace cet objet? Bon, on voit ici, ça c'est une simulation qu'on a faite à partir des observations. Et vous voyez que ce trou noir, il ne se déplace pas comme le Soleil, il a une orbite très excentrique. C'est-à-dire qu'il a gagné une impulsion et il a une vitesse anomale de 120 km par seconde. C'est-à-dire que ce trou noir a été formé à travers une explosion très énergétique qui a donné une impulsion au système. Alors, par contre, on a fait l'étude d'un autre trou noir, et ça, c'est Cygnus X1, c'est la source X la plus puissante qui avait découvert le prix Nobel Giaconi dans la constellation du Cygne. C'est pour ça que ça s'appelle Cygnus X1. C'est la source X la plus lumineuse dans cette constellation. Et vous voyez, on sait que les trous noirs des masses stellaires sont les cadavres des étoiles massives. Et ces étoiles massives ne durent plus que très peu de millions d'années, peut-être 5 millions d'années. Parce que les étoiles les plus massives évoluent et consument leur combustible plus rapidement. Parce que comme ils sont plus massives, pour soutenir tout le poids, il doit avoir plus de réactions nucléaires, donner plus d'énergie qui veut sortir pour contrebalancer le poids. Alors l'étoile évolue plus rapidement parce qu'elle consomme plus de combustible nucléaire. Et en ce moment, quand il y a un moment où le combustible est épuisé, elle s'effondre vers un trou noir. Alors on a repéré le mouvement de ce trou noir qui s'appelle Cygnus X1 par rapport à son berceau d'étoiles massives, que c'est l'association qu'on appelle l'association OB3 dans la constellation du Cygne. Et on voit que tous les deux se déplacent de la même façon, c'est-à-dire que le trou noir est resté après sa formation ancré dans son berceau. Il n'a pas reçu une impulsion. Et on peut établir une limite de la masse éjectée pendant l'explosion, s'il y a eu une explosion, qui n'était pas plus d'un masse solaire. Ça, on peut faire le calcul. On sait le faire. Et c'est pour ça que j'ai dit que avec Rodriguez, on a publié dans la revue Science, on a dit que ça, c'est un trou noir qui s'est formé dans l'obscurité. C'est-à-dire que vous avez une étoile massive, très lumineuse, et de façon soudaine, elle disparaît. Il n'y a pas d'explosion. Parce que s'il y aurait eu une explosion, il devrait avoir gagné une impulsion et avoir été éjecté de son berceau. Et c'est-à-dire que par le mouvement de ce système, de ces microquasars, on peut tracer l'origine de ces objets et savoir quelle était la physique impliquée dans le procès de formation. Il y a un autre trou noir, ça c'est une approche qu'on a maintenant, et c'est très, très intéressant parce que c'est la seule façon jusqu'au présent d'être absolument sûr, observationnellement, quelles sont les contraintes de formation. Et vous voyez ici un trou noir qui, en fait, il se déplace comme dans la galaxie, comme un amas globulaire.
et qui auraient été formés il y a 7000 millions d'années, quand il appartient à ce qu'on appelle l'halo de notre galaxie, quand encore se formaient des étoiles massives dans l'halo, et quand le disque de notre galaxie, la Voie lactée, était en procès de formation encore. C'est-à-dire que ça, c'est pour ça que j'appelle l'étude de ce type d'objet une sorte d'archéologie. C'est une archéologie astronomique. Aller voir dans ces cadavres, qu'est-ce qui s'est passé quand notre galaxie s'est formée, parce qu'on a dans ces cadavres, dans ces cimetières, que c'est l'halo de notre galaxie, le remanent des étoiles massives, où aujourd'hui il ne se forme plus des étoiles massives là, dans l'halo. Mais on sait que cet objet s'est formé là. Bon, la conclusion, peut-être j'ai parlé déjà une heure, est-ce que les microquasars sont des laboratoires, sont convertis dans des laboratoires idéaux pour la physique, pour tester la physique relativiste par l'étude des jets. On peut tester la physique relativiste et aussi la relativité générale par l'étude des phénomènes qu'on observe dans ces microquasars, que je n'ai pas entré parce que ça aurait été un peu trop dans cet exposé. Mais il y a eu déjà 4 congrès internationaux sur les microquasars, et le cinquième, ça sera en mai 2004 en Chine. C'est-à-dire que il y a un intérêt, pas seulement, comme je disais au début, des astronomes, mais aussi des physiciens. Alors, l'astrophysique, on peut comprendre comment ces jets relativistes sont produits par l'étude des phénomènes dans différentes longueurs d'onde et avoir des évidences, peut-être des horizons. Comme je vous ai dit, par la cinématique de ces objets, on peut inférer quels sont les mécanismes physiques de formation de trous noirs, c'est-à-dire s'il y a d'explosion de supernova ou pas, aussi déterminer la rotation des trous noirs. Vous savez que les trous noirs sont les objets les plus simples, du point de vue physique, pour un observateur extérieur, bien sûr. Ils sont très simples parce qu'ils sont caractérisés que par la masse, par la rotation et la charge électrique. On pense qu'en astrophysique, il ne devrait pas avoir des trous noirs chargés électriquement, mais ils ont une masse et ils ont une rotation. Et mesurer la rotation, ça c'est une possibilité qu'on a maintenant à travers l'étude de la rotation des trous noirs, à travers l'étude des microquasars. Et aussi, ce sont des laboratoires idéaux pour la physique de haute énergie, pour détecter, sont des sources potentielles de ondes gravitationnelles, de ce qu'on appelle neutrinos et de sursauts gamma. Je crois que j'ai parlé une heure. Je vous remercie beaucoup. Merci Félix. Merci. On va maintenant donner la parole, après ta brillante présentation, on va donner la parole au public. Je vous rappelle que toutes les questions sont enregistrées. Donc vous attendez qu'on vous passe le micro et vous posez la question à Félix Mirabel, ici présent. D'accord. Oui, bonjour et merci pour votre exposé. En ce qui concerne les jets, est-ce qu'on a compris précisément la physique ou est-ce qu'on a seulement encore des idées? Je dirais que c'est une bonne question. Il y a encore des discussions sur les mécanismes physiques pour la production des jets. Mais je dirais que le consensus presque général, est-ce que les jets sont produits par des phénomènes magnéto-hydrodynamiques. C'est-à-dire quand on a un disque d'accrétion autour d'un objet compact, soit une étoile à neutrons, soit un trou noir,
dans c'est la matière qui est accrétée, il y a ancré un champ magnétique, et ces champs magnétiques en général sont perpendiculaires à le disque d'accrétion. Et la matière chargée, hein, parce qu'on parle des électrons, hein, des particules chargées, vont partir. Alors, il y a différents modèles dans ce contexte général magnéto-hydrodynamique. Il y a une école qui soutient que, en fait, la puissance de ces jets relativistes est produite dans ce qu'on appelle l'ergosphère, très près de l'horizon du trou noir, et il y a des autres théories qui prédisent que sont produits plutôt plus loin de l'horizon du trou noir. Mais le phénomène des jets collimatés, c'est un phénomène général dans l'astronomie. On l'observe aussi dans les étoiles en formation. Quand elles sont en train de se former, on observe des jets de matière. Bien sûr, ne sont pas des jets relativistes. Ces jets se déplacent à des vitesses de centaines, disons milliers de kilomètres par seconde, pas 300 000 kilomètres par seconde, ou presque. Mais certainement, ça, c'est un domaine ouvert. Merci. Vous nous avez montré le cas d'un quasar qui a deux jets qui nous apparaissent de manière alternée. Quelle est la durée qui sépare ces deux masses de plasma? Je ne sais plus le nom du quasar. Tout à l'heure, vous avez montré une image. On voit d'abord à gauche le plasma qui apparaît, là, une boule, puis un peu plus tard, à droite, le deuxième... deuxième jet. Oui, enfin, ça ne nous apparaît pas. Oui, voilà. Pardon ? Celui-là. Alors, vous pouvez répéter la question. Alors, la question, quel est le temps qui sépare, le temps mesuré, disons, localement sur la Terre, qui sépare les deux événements ? Oui, on va voir maintenant 98. Oui. Hein, ça a été 98 et... Deux ans après. Dans l'année 2000, avec le même satellite, ils ont repéré une source qui apparaît. C'est-à-dire, ça c'est très intéressant parce que ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a eu les transports de matière et d'énergie qu'on ne voyait pas, jusqu'à cette matière rencontre un obstacle. Et quand il rencontre l'obstacle, il y a des accélérations des particules, des chocs, et il y a des radiations qu'on arrive à voir. Mais ce sont des observations très intéressantes parce que ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'il peut y avoir des phénomènes de très haute énergie qu'on ne repère pas. C'est-à-dire qu'il y a ces déplacements, et s'il n'y a pas d'obstacle de choc, il n'y a pas d'émission. C'est-à-dire tout ça a duré 4 ans. Deux ans de chaque côté, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'aimerais savoir quelle est la forme d'un trou noir ? Est-ce qu'il a un bord ? Ou est-ce que c'est juste une singularité, un point qui attire tout autour de lui, donc le centre d'une sphère? Oui, ça c'est une question très intéressante parce que il y a maintenant des projets pour faire des images de trous noirs. Et plutôt de la matière qui est autour. Et ce sont des projets qui ont été proposés et sont en cours. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une asymétrie dans les trous noirs, et plutôt si le trou noir a un moment angulaire. Si tout, on devrait voir une asymétrie dans la matière qui l'entoure. Mais
Je ne sais pas si dire que le trou noir même a une forme. C'est plutôt la matière et la courbature de l'espace-temps qu'il produit autour. On ne peut pas parler de forme d'un trou noir, vraiment. Lorsque vous parlez de la matière d'un trou noir, c'est une matière baryonique? Non, pour nous, pour un observateur extérieur, le trou noir, c'est un autre univers. C'est un autre univers. C'est un autre univers, et on n'a pas une façon de senser, sauf un type de radiation qui pourrait nous parvenir, que ce qu'on appelle la radiation de Hawking, que c'est un type de radiation très très faible sur lequel qui est prédit par la théorie, mais on n'a pas l'espoir de pouvoir la détecter dans plusieurs années par la faiblesse. Mais un trou noir, c'est-à-dire un trou noir, c'est comme un autre univers. Je suis attiré par les trous noirs, pas seulement parce qu'ils sont des laboratoires idéaux pour la physique, mais aussi parce que c'est une façon de s'approcher aux limites de l'univers, aux limites observables de l'univers. Parce que vous dites, un trou noir est formé par une accrétion, une accrétion de matière baryonique. Ça veut dire donc que si vous ne savez pas ce qu'est la matière d'un trou noir, vous admettez qu'il y a eu une transformation de l'univers baryonique en un univers que vous ne connaissez pas. Oui. C'est ça. Oui, oui. C'est-à-dire pour nous, pour un observateur extérieur, les effets qu'un trou noir produit dans notre univers sont déterminés que par la masse et par la rotation. Et c'est indépendant de la nature. De la nature de la masse. De la masse. Oui. C'est-à-dire que pour un observateur extérieur, c'est ça qui compte. Mais vous avez quand même quelques hypothèses sur la nature de cette masse du trou noir. Oui, bien. Moi, je préfère. C'est Hawking, peut-être, que devrait vous parler. Moi, je parle sur les effets observables des trous noirs. Observables. Je préfère ne pas faire trop de spéculations. Je pourrais spéculer, mais. De tout le monde en profite. Merci. Comment pouvez-vous estimer que les trous noirs vous amèneraient à une hypothèse à connaître les limites de l'univers? Ce n'est pas vraiment connaître les limites de l'univers, mais c'est une situation qui a, quand on étudie les trous noirs, on s'approche à un horizon, et là, il y a un autre univers, et c'est comme les limites de l'univers observables autour de ces trous noirs. Et ce n'est pas que... On peut faire des analogies qui pourraient être valables ou pas. Mais je veux dire qu'on s'approche à l'horizon de notre univers observable. C'est comme les limites de l'univers, des points de vue expérimental. Oui. Oui, je voudrais savoir, vous avez présenté un tableau tout au début avec les galaxies et les trous noirs dans les galaxies, avec en ordonnée les masses. Vous avez mis 1 million de masses solaires, puis après 1 billion. Je voudrais savoir s'il y a une limite. Ah. Et si un trou noir présentant plusieurs milliards de milliards de milliards, etc., serait super glouton et pourrait avaler toute la galaxie. Oui. Je ne peux pas dire que ça ne soit pas possible, mais les trous noirs, ça c'est une bonne question, parce que moi-même je me pose cette question. Pourquoi
Bon, les trous noirs les plus massifs, parce qu'on peut mesurer maintenant. Ah, le tableau, ça a été celui-là, oui. Maintenant, je me rappelle. Peut-être c'est le tableau. Je voudrais répéter la question de monsieur. Ah. Voilà. C'est ça le tableau que... Oui. Oui, le monsieur fait référence à cette corrélation hein, entre la masse du trou noir et la masse de bulbe d'étoile. Et vous voyez ici qu'on arrive jusqu'à 1 billion hein, de masse solaire, hein, 1 000 millions de masse solaire. Et la question du monsieur, est-ce qu'il pourrait avoir des trous noirs encore plus massifs qui, de façon progressive, avalent hein, le reste de la galaxie? Bon, ça, en principe, ça pourrait être possible. Hein, mais on ne trouve pas, parce que maintenant, on mesure par le mouvement autour de la région centrale dans les galaxies les plus massives que pourraient avoir les trous noirs les plus massifs, on mesure quelle serait la masse de ces trous noirs et la limite c'est 1000 millions de masses solaires. On n'a pas mesuré des trous noirs plus massifs. Alors, votre question, bon, c'est possible. C'est possible que progressivement, au fur et à mesure que le temps passe, que le trou noir attire et avale l'ensemble. Non, que je peux concevoir. Peut-être mon collègue peut m'aider. Non, ça dépend du temps. Et bon, l'évolution de l'univers, on pense que progressivement, les trous noirs vont prendre de plus en plus de place hein, dans l'évolution de l'univers. Ça, c'est les étoiles vont finir progressivement, et plutôt les étoiles massives. Hein, les gaz à partir desquels se forment les étoiles massives, bon, s'épuisent progressivement. Et ça, on le sait. Hein, déjà par des mesures. Est-ce qu'une partie de la masse d'un trou noir peut se transformer en supernova ou quelque chose dans ce genre-là? Oui, le monsieur, la question, si vous me permettez de la reformuler, c'est est-ce qu'une fois qu'un trou noir se forme, est-ce que ce trou noir pourrait s'exploser hein, sous la forme d'une supernova ou un autre événement, et disons cette matière qui on ne sait pas quelle est sa forme revient vers notre univers à travers une explosion. Est-ce que ça c'est possible? Bon, oui, c'est possible. Et il y avait une prédiction de Hawking hein, que au début de l'évolution de l'univers serait formé un type de trou noir qui aurait de taille d'un ballon de foot, hein, à peu près des petits trous noirs, hein, mais avec des horizons qui, au fur et à mesure que le temps passe, ce type de trou noir pourrait précisément, par un événement explosif, hein, prédit par la mécanique quantique, pourrait exploser. Et en fait, on a soupçonné que les sursauts gamma qu'on observe aujourd'hui, au début, on soupçonnait que pourrait être ces trous noirs hein, petits, et parce que au fur et à mesure que la masse est plus petite, plus rapidement évolue et se transforme et explose. Hein. Et on avait soupçonné que ces explosions, hein, les sursauts gamma qu'on observe, ça pourrait être ce type de trous noirs, qui à cette époque d'évolution de l'univers pourrait exploser. Les trous noirs plus massifs, on doit attendre beaucoup, beaucoup de temps hein, à qu'ils explosent, parce que au fur et à mesure que la masse est plus grande, l'explosion, d'après à la théorie, arrive plus tard. Hein. Mais on sait maintenant que ce type de trous noirs hein, que Hawking avait prédit ne sont pas les sources des sursauts gamma. On pense que les sursauts gamma proviennent de la formation des trous noirs. Mais oui, en principe, oui, il peut exploser. Ouais.
Alors, a-t-on pu observer des phénomènes entre trous noirs, soit des phénomènes d'attirance entre trous noirs, soit des phénomènes de trous noirs se bouffant l'un l'autre? Oui, oui, le... oui, ça c'est. Oui, on pense que bon, on a observé dans deux galaxies, dans une galaxie en collision, et on sait que les galaxies, par exemple, les galaxies les plus lumineuses, sont des galaxies qui entrent en collision. Hein. Et si chaque galaxie a un trou noir supermassif, ces trous noirs s'approchent hein, progressivement. Et on a découvert, bon, il y a eu un rapport de deux trous noirs hein, qui, bon, encore, ils ne font pas une grande influence entre eux, mais sont très proches dans deux galaxies qui se sont rencontrées hein, dans la forme, sous la forme, c'est un accident cosmique hein, qu'on observe, comme les antennes, par exemple, sont deux galaxies hein, qui s'avaient formées et c'est et se fusionnent. Et si l'on a des trous noirs au centre, ces deux trous noirs auront un moment où ils vont se fusionner aussi. Mais, et aussi dans le système binaire, si on a deux étoiles massives qui se transforment en trous noirs, ces deux trous noirs pourraient se fusionner hein, dans le futur. Mais jamais on a observé ça jusqu'au présent. Mais c'est un des espoirs pour détecter ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, hein, parce que c'est précisément ce type d'événement. Hein. La collision ou la fusion des trous noirs produirait les événements à niveau gravitationnel les plus intenses dans l'univers qu'on pourrait détecter et tester la relativité, hein, la théorie de la relativité de la gravitation. C'est-à-dire que mesurer pour première fois des ondes gravitationnelles. Ça sera l'événement clair de la fusion de deux trous noirs. Mais encore, on n'est pas là. Merci. Vous nous avez dit qu'il y a, on estime à 100 millions le nombre de trous noirs dans la galaxie. Comment peut-on estimer ce nombre? Oui. Ça, c'est sur la base de l'histoire de formation d'étoiles massives dans notre galaxie. C'est-à-dire, on pense que toutes les étoiles, hein, la plupart des étoiles de plus de 25 ou 30 masses solaires, s'effondrent et forment de trous noirs. Et comme on connaît, bon, il y a des théories d'évolution, on trouve les amas globulaires, par exemple, où il y a beaucoup d'étoiles, et en supposant des étoiles de petite masse, mais comme on sait que dans les amas se forme ce qu'on appelle la fonction de masse, quand se forment les amas, on peut calculer à partir des étoiles qu'on observe, quelles étaient les étoiles massives qui se sont formées avec elles, la quantité. Et à partir de ça, savoir quel était le nombre approximatif hein, de trous noirs qui se sont formés dans notre galaxie. Ouais. Donc, ce qui voudrait dire qu'ils se sont formés très tôt dans, hein, après la naissance de l'univers. Est-ce que vous avez une date à peu près précise pour la formation des premiers trous noirs? Oui, en termes de... Bon, moi, en général, je pense en termes de redshift, de décalement vers le rouge. Et on pense, maintenant, on a recensé des galaxies, même, pas seulement des quasars, à des décalements vers le rouge de 6. Hein. Et on a fait des spectres, et on trouve des éléments chimiques lourds, c'est-à-dire qu'il y a eu des formations d'étoiles avant. Et le consensus maintenant est que les premières étoiles qui seraient formées dans l'univers, ça c'est l'expectative, on ne l'a pas détecté encore, seraient formées à un décalement vers le rouge d'à peu près 20.
entre 20 et 10. Et notre espoir, c'est que comme ces étoiles sont très massives, et quand elles sont effondrées, on produit des sursauts gamma, on pourrait les repérer comme des sursauts gamma. Et ça, c'est un des domaines de l'astronomie qui en des questions. Et des points de vue observationnels, je crois que dans les prochaines 5 années, on va avoir beaucoup de nouvelles sur comment était l'univers dans les époques primordiales. Et on sait qu'au-delà d'un décalement vers le rouge des vents, il ne pouvait pas se former des étoiles. Bien, merci. Je vois qu'il y a encore une question, et puis je pense qu'on s'arrêtera ensuite pour ne pas épuiser notre conférencier. Merci. Je vais savoir si la théorie prévoyait une masse minimum pour les trous noirs. Oui. La question, c'est si la théorie prévoit une masse minimum pour les trous noirs. Et oui, parce que le problème est que quand une étoile s'effondre, si elle a une masse de 1.2 masse solaire ou 1.4 masse solaire, ce qui se passe est que se forme une étoile qu'on appelle des neutrons, où il n'y a pas de ces structures atomiques. Les électrons et les protons des atomes se rassemblent et sont comme des noyaux atomiques gigantesques. Ce sont des étoiles à neutrons. Alors, on peut faire les calculs. Quelle peut être la masse maximale qu'une étoile à neutrons peut supporter par ce qu'on appelle la pression dégénérée? C'est la pression des électrons qui soutient le poids de l'étoile pour qu'elle ne s'effondre pas vers un trou noir. Et cette masse, bon, il y a des discussions, mais c'est entre 2 et 3 masses solaires. Ça sont les calculs, mais les observations confirment ces calculs. C'est-à-dire quand on jette des bombes vers les objets, quand l'objet a une masse de moins de 2 masses solaires, on observe une explosion. Quand l'objet a une masse plus grande que 3 masses solaires, quelquefois, comme notre expérience, on n'observe rien. C'est-à-dire tout se passe en silence et dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a un horizon, il y a une limite pas matérielle de l'objet qui a une masse là, c'est-à-dire que c'est un trou noir. Oui, ça, on le connaît à peu près bien. Il y a des discussions si c'est 1.4 ou 2, mais ça, ce n'est pas essentiel, à mon avis. Ce sont des discussions entre les théoriciens. Oui. Oui, c'est ça. Ça, je parle sur les trous noirs stellaires, qui sont la phase finale de l'évolution des étoiles plus massives, pas sur les trous noirs supermassifs, comme mentionne le monsieur. Là, on ne sait pas. Je dirais que, oui, il y a des astrophysiciens qui disent qu'ils ont trouvé des trous noirs de 1000 masses solaires, mais je crois qu'on est en grande discussion à ce niveau-là. Ouais. Bien, ben, merci encore Félix. Et, et donc rendez-vous dans un mois, au mois d'octobre, pour une conférence sur l'univers, sur la cosmologie. Merci.